Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le mode Veritas et Fortitudo. Donc on va continuer tranquillement notre petite guéguerre. Ah le Palatinat, Naples. Oh putain ça commence à rentrer en coalition contre moi. Voilà, oh là là, on va se barrer. Carnival le 28. Le 7 mai. On va aller à Linz. Voilà. On va essayer de se cacher avec notre armée. Il va jusqu'à Gênes, l'inculé. Donc lui, on va l'envoyer le retrouver à Gênes, hein, tant qu'à faire. Carnival arrive avec Village le 2 mai. J'y arrive le 7 mai. Oh, ça pue. Non, bah on va aller à Grasse avec lui. On va aller là-bas. Là, faut qu'on sorte le pape de la guerre, histoire de détendre un peu tout le monde. Ouais, Salzbourg, ouais, pas grave, une coalition une fois de plus. Styrie qui me fait une offre de paix. Donc, moi, Styrie, qu'est-ce que je peux obtenir de Suforpéas? Carnstern, est-ce qu'on peut le refourguer? Non, il veut toujours pas, hein, fait chier. Réparation de guerre, t'annules tes claims là-bas, tu me donnes tes thunes. Tu annules tes traités avec. Avec Vénus, ouais, on va dégager tes. Avec Transylvanie, avec ça, avec la Bosnie, avec Ravensburg, tu m'as donné des thunes. Krivokor, il est encore sur Sungdo, lui? Avec la Bosnie. Et pourquoi il peut pas donner. Non, ça, tu vas donner à. Bavière ou Aquileia? Ah, Bavière. Ouais, si je peux obtenir ça de lui. Suforpis. Marbourg. Hop, on annule. Ouais, garde tes traités si tu veux avec les pays pourris là-bas. Venise, voilà. Tu peux garder Venise. Tu me donnes tes thunes. Tu donnes ça à la Bavière. Tes thunes. Ok, c'est parfait. Lui, on le sort de la guerre. Qu'est-ce qu'il me proposait à lui? Comment dire? Voilà, il est sorti de la guerre, c'est une bonne chose. Lui, il est expat. Donc ça, c'est parfait. Donc pour l'expat. Ouais, c'est bien ça. Un ennemi éliminé de cette guerre. C'est parfait. Là, on va se faire le pape d'ici peu. Voilà, on va défoncer le pape. Voilà, on a défoncé le pape. On va se mettre ici, hein. On va piller Rome. Le problème, 15 navires, c'est que de la galère, je crois. Ouais. Ok, eux ils sont rassemblés. On va retourner. Bon, on n'a pas le choix, je vous dis rien. On va retourner par là-bas. Ouais, c'est bon, ils vont se mettre sur la gueule là-bas, c'est parfait. C'est pas dans le terrain désavantageux. C'est tout bénef. Nous on va se mettre là-bas. Le Suisse, cet enculé, il fait rien. Je le comprends en même temps. Là, le siège de Rome avance bien. Non, pas de Rome, de je sais plus comment ça s'appelle là, Orvieto qui avance bien. Sachant que Rome, j'ai dit, on fourque ça à Piombino. Allez, bien, parfait. Ça, on fourgue à Piombino. Et le pape, je veux ça, ça. Réparation de guerre et tête. Oh putain, ça fait beaucoup. C'est quoi qui coûte aussi cher comme province? Ah oui, merde! Bah, pas grave, on va prendre que les deux là-haut, ça, toutes tes thunes. Orvieto coûte cher. Rome, et si je te prends moins de thunes? Ouais, de toute façon, ce qu'on va faire, on va lui mettre. Juste, on va lui mettre. Mercenari Glory, ouais, super.
Le problème, c'est que vu que je gagne pas de thunes, on va le défoncer là-bas. Hop! Ouais, l'avantage de la Suisse peut pas se rebeller actuellement. Parce qu'on est en guerre, donc on va faire durer la guerre tant qu'on peut. Là, on disbande, on sélecte l'armée, hop, on fusionne tout, on dégage un peu plus de 1000 cavaliers, on ramène tout ça par là-bas, histoire d'éviter de l'attrition. Voilà, on a stack wipé son armée. Voilà, là on est bien. Oh bien, un Byzance qui se fait bien bouffer. Voilà, donc le pape. Le pape. Là, il accepterait. Et de me donner des thunes. Ouais, ok, bon, on offre ça. Voilà, c'est parfait. Le pape a accepté notre offre de paix. Donc notre armée, on va la rapatrier par là-bas. Arezzo, Forlì, on augmente. Là-bas, on augmente l'autonomie. On augmente. On va regarder vite fait le tableau de l'autonomie. Ferrara qui est pas content. Bon, on va augmenter l'autonomie. Voilà, comme ça tout le monde est content. Plus de risque de révolte. Les pépettes. Bon, on est mal. Comme d'hab. Ouais. Bon, ce qu'on va faire avec cette armée-là, on va aller s'occuper de. On va aller s'occuper de. On va aller s'occuper de Venise. Venise est prêt à faire la paix. Mais comment dire? Oui mais non quoi, Venise. Ok. Istrie, il faut 6000 hommes. Donc là, on prend ça. On prend ben, 7000 canons, c'est parfait. Là, et le reste de l'armée, on les fout ici. Alors lui, il est fort. Il est 1000, il va contre les 20 000 hommes. Ouais, ben, si tu veux, mon gars. Les guerres. Je suis en guerre contre qui? Ah, je suis en guerre contre ça aussi. Diplomatie. Ah non, c'est un lesseur partenaire. Voilà, allez mettre sur la gueule. C'est con que le Suisse m'aime plus, parce que honnêtement, niveau vassal, le mec, c'est. C'est quand même mon. Depuis le début, je l'ai lui. C'est mon tout premier. C'est la toute première fois. Fürstenberg, ok. Je suis con, moi. Ah, Savoie occupe Lika. Ok, on va avancer. On va lui mettre sur la gueule par là-bas. Va peut-être enlever la peau, ça peut être pas mal pour. Ouais. Allez, soyons fous. Ce soir, les gars, c'est gangbang. Voilà. Très bien comme bataille. Qui on a en face? Valachi qui a envoyé des renforts. Ouais, ben. Voilà une bataille qui en est bien. On va choper ça, on va choper les territoires. Je prends l'armée, je rassemble tout, je prends une unité de zéro que j'envoie ici pour maintenir le siège. Il va où lui? Il va Spalato, il va là-bas. Là-bas, le siège avance tranquillement. La manpower 18 403, faut que je regarde au prochain mois. Bon, on va perdre un petit peu, je pense. Mon armée qui est ici, on la rassemble et on va 18 403. Là, ouais, on perd un petit peu.
Mais bon, ça va, c'est correct. Parce qu'on est en train de faire trois sièges en même temps, donc automatiquement, là, ça va occupera main, c'est parfait. Est-ce qu'on peut aller choper... Il y a un fort ici, il n'y a pas de fort à... On va choper le fort de Spalat. Putain, il a des forts partout, cet enculé, hein. On va rester à Rama et à ce moment-là, hop, on rassemble tout le monde. Là, mes 7000 canons. En fait, il y a 7000 canons autour d'une ville. Les mecs, ils ont juste à faire une sortie MK102. Ça, c'est un truc. Contre l'ordinateur, vous pouvez. Contre un humain, faut éviter. Parce que si vous faites ça contre un humain, l'humain, il est pas con. Là, il sort ses 3000 hommes et il vous défonce vos 7000 canons. Ah, il y a Urbino aussi. Donc, Urbino. Ah non, c'est. Ah, c'est à Venise, Urbine? Non, sérieux, les mecs. Bon, on va lui demander de. Non, on va pas lui demander de créer un état. On va le laisser comme ça. Ça nous fera une occasion de lui remettre sur la gueule plus tard. Hop, hop, hop. Vite, vite, vite. Ah non, c'est bon. Ouais, il a que dalle, on va le défoncer, quoi. On va se mettre là-bas au cas où. On va être sûr de le dé... Là, je vais être sûr de le défoncer, le mec. Là, je vais le stack wipe parce que là, on va se retrouver un ratio de 10 pour 1. Donc 10 pour 1, c'est wipe. S'il fuit. Comme ça, hop. Voilà. Le siège de l'Istrie est terminé, ça c'est parfait. Donc maintenant on va négocier la paix avec Venise. Il reste qui? Styrmia et Valachie. Valachie, t'es où? Oh, Valachie, il est safe lui, hein. Punaise. Ouais, bon, on va même pas s'en mêler avec lui. On va essayer de négocier avec Venise. Donc Venise, qu'est-ce que je veux de toi? Je veux. Alors là, c'est direct, je veux Venise. Voilà. On va refourguer l'Istrie à l'Aquilée et l'Ica, on va refourguer ça à l'Aquilée. Le but, c'est d'affaiblir la puissance maritime de Venise. Ensuite, je veux réparation de guerre, je veux tes thunes. Sirmia. Non, je veux pas le faire vassal, Sirmia. Annule Tretus. Ah, oh, bah, je vais lui demander de. Avec Byzance, tant qu'à faire, hein. Je veux plus que Sirmi soit ton sujet. Là, tu veux pas ça? Allez, tu vas le garder. Travorne, est-ce qu'on peut refourguer du territoire? Oh, non, il veut pas. Voilà, c'est parfait. On prend Venise. Alors là, on va se retrouver avec la moitié du monde entier qui va vouloir nous mettre sur la gueule. Donc ça, ces troupes-là, on les renvoie à Ferrara. Et ceux-là, on les renvoie, on va dire, par ici. Ensuite. Ensuite. Est-ce que je me fais chier à créer Bologne en vassal? Non, je reste comme ça. J'ai regardé vite fait au niveau de l'administrative où j'en suis, que je me retrouve pas. Avec ma bureaucratie, non, c'est où déjà? Voilà, gouvernement. Méritocratie, requête de gouvernance 42, current gouvernance 87. Ouais, c'est bon. Je vais le garder comme ça en fait. Je vais même pas m'emmerder à aller faire. Par contre, on va. On va corer tout ça. Oh putain, les coups. Oh les coups. Non, c'est peut-être pour ça qu'en fait non, je vais me faire un vassal. Donc on a dit Bologne. Ouais, je vais créer un vassal parce que là ça me coûtait un peu un bras. J'ai dit Bologne récupérerait quoi comme province? Florence, île ou Bologne? Y a pas Bologne qui existe? Pourquoi je peux pas créer Bologne comme pays? Le sujet Bologne plutôt. Modène, non. Forlì, non.
Après, je peux créer Forli et lui refourguer mes territoires à la con autour. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais créer Forli. Je crée Forli. Ok. Forli. Je vais lui vendre des provinces. On va déjà se marier ensemble, hein. Non, on va vendre des provinces. On va lui refourguer un Raven machin truc à montant pour 0. L'enculé d'Aquilée, le mec qui broque son alliance avec moi. Quel enculé! Le mec, je lui ai refourgué du territoire, il a pété son alliance avec moi. Pourquoi il est hostile ce con? Parce qu'il veut venir, il veut ça. Bon, qui m'aime bien? Bon, en fait, tout le monde m'aime bien à peu près. À part mes vassaux. En fait, non, personne m'aime à part mes alliés. Ouais. Bon, bah, on va se calmer là, vite fait. Le Luxembourg. Bah, on a plus de diplomates. Ouais, ben bah, là, on va. Ouais, va falloir qu'on se calme un petit peu quand même. Hein. Danzig. Hop. Manpower se débrouille à peu près correctement. La flotte. La flotte, la flotte, la flotte. Les trade ships, on split. Eux, ça va être à Genoa. Ils vont protéger le commerce donc de Genoa. Et la deuxième partie de la flotte, eux, c'est Palermo. Ouais, parce que moi je donne le nom de mes flottes, je leur donne le nœud de commerce qu'elles protègent. Comme ça me parle tout de suite. Astiri, pas de soucis, mon gars, passe. Tu m'aimes comment, Astiri? Ah bah toi, tu m'aimes pas en même temps, je te comprends. Ferrara, Bologna, Venezia. Ah non, Venise, à direct, je corps, par contre. Ensuite, il faut que je donne Ferrara et Bologna. Diplomatie. Celle province. Bologna. Est-ce que je peux gratter un peu de thunes? 14, allez, soyons fous. Voilà. Et là, diplomatie. Dès que je peux lui vendre une province. Quel enculé là qu'il a quand même. Quand même, le mec. Cette province, on lui vend Ferrara. Et là, je refais. Mais c'est pas moi, monsieur, là, j'ai regardé, j'ai rien du tout. Voilà, comme ça. Voilà, plus de province. Là, je me suis fait une grosse vague d'expansion. Donc là, on va faire une grosse vague de 11 calmes. Les finances en full entretien. Qui c'est qui me donne autant? Ah non. Ouais, putain. On va baisser l'entretien de notre armée un petit peu. Voilà. Surtout là, je pense que maintenant. Voilà, j'ai plus prévu de m'étendre par là-bas. Je vais m'étendre que vers le sud. Donc que vers le sud, ça va limiter d'autant le. Donc l'armée la plus grosse, c'est toujours moi. Et maintenant la flotte la plus puissante. Un light warships. C'est quoi ça? J'ai un light warships. Ouf, au Venise, là, leur flotte, elle a pris cher, quoi. J'ai une galère aussi. Et là, ma galère. Ah, les navires de transport, c'est des light warships. Ah d'accord. Bon, j'ai plus de navire de transport, donc ça pue un peu. Ensuite, on va regarder vite fait qui fait partie de la coalition et qui est gros. Les enculés d'Aquiléens quand même quand j'y pense. Enfin, désolé pour le vocabulaire, mais les mecs quand même, je leur ai refourgué du territoire. Ah ouais, d'accord, l'agressive expansion, ils m'en veulent un tout petit peu, quoi, les mecs. Donc ce qu'on va faire, on va improver les relations avec eux. Ah, fait chier. Bon, pas grave, on va annexer. On va se taper encore des relations négatives une fois qu'on aura chopé Fürstenberg. Mars 1547.
Nanana. Ah, ça commence à puer la religion. Voilà. Cagliari est devenu un corps. Et il faut, je crois, pour faire la décision. Ah, faut être niveau 28 en administratif. Bon, j'ai le temps en fait. Le séparatisme, lors de... Ouais. Technologie, j'en suis où? Intégratine Fürstenberg. Intégration, voilà. Le Palatinat, qui est l'empereur. On a. Oh, bien, on accepte les Alémaniques. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Land Force Limit, Global Settler Increase. Ouais, plus 20. Good Grain Supplies. J'aimerais bien savoir ce que c'est ce truc-là, parce que c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je contrôle la soie. C'est assez folklore quoi. Oh, c'est bien. C'est pas mal. Ok. Bon, c'est la fin de l'épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, des likes, des trucs.